Salutations à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Subnautica Below Zero où vous pourrez suivre la suite des aventures de Robin sur la planète 4546B. Dans le dernier épisode, Robin avait entendu un appel de détresse, donc elle va partir enquêter pour découvrir l'origine de cet appel. Voilà. Notre équipement, est-ce qu'on est bien tout ce qu'il nous faut? Oui. Parfait. Hop. Toujours des petits problèmes avec mes touches. Voilà. Ok, on repart. Sea glide. 2. C'est parti. F pour enlever la map. Donc en direction du sud-est. Un petit peu embarrassé, excusez-moi pour le raclage de gorge. Donc, on se retrouve. Voilà. On dirait une plateforme flottante abandonnée par Altera. On va aller voir qu'est-ce qui se passe au-dessus. En pleine tempête. Qu'est-ce qu'on a ici? Un fragment de détecteur de minerai. Toujours bon à prendre. Ah, bon, le schéma. Un pilier qu'on verra plus tard. En offline, probablement. Ah, bon, nutritif, c'est toujours pratique. Donc, rien d'autre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, une pièce d'ameublement. Ça va être bon pour plus tard. Un bureau. Qu'est-ce... Donc, visiblement, il y avait un câble d'alimentation électrique. Ça alimentait quelque chose. Qu'est-ce qu'on a ici, sur cette plateforme? D'autres conteneurs, de l'eau. Toujours bon à prendre. Des pansements. Ah, qu'est-ce qu'on a? Non, on avait déjà découvert. Ça, c'est toujours bon à prendre pour les piles. Allez, hop, un autre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici? Est-il quelque chose d'intéressant? Ça continue. 30 secondes. On pensait à remonter. Prendre un bol d'air. Je sais, ça presse, ça presse. Ok, bon. Pour prévenir, pour pouvoir remonter d'urgence, ça va être plus pratique d'avoir ceci. Bon, on y retourne. Ok, on était passé par ici. Qu'est-ce que j'avais vu d'intéressant? Il y avait ceci. Plante oxygène. Est-ce qu'on a d'autres? Est-ce qu'on a d'autres choses d'intéressantes ici? Bon. Ah, on a de quoi faire pas mal de batteries. Un autre morceau de Sea Glide. Ah. Du plomb. On va remonter. Vraiment, la durée n'est pas très longue. On y arrive, on y arrive. Voilà. Je vais me mettre en pause. Le temps de voir
ce qu'on pourrait trouver d'intéressant. Bon, on est de retour. Hop là! Bon, on me fait attaquer. J'ai vu ceci qui est intéressant. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah! Réservoir haute capacité. Rien d'intéressant. Oh! Voyons! On sortit de là. Ok. Je pense qu'on va revenir. Scanner. 5. Ah. Ouf, il était temps. Bon. C'est là que nos pansements vont être utiles. Hop, le réservoir ici. Voilà. On va en profiter pour prendre un peu d'eau. Voilà. On va retourner. Peut-être encore d'autres choses intéressantes malgré les dangers. Bon. Ah, toujours là. Ah, ça descend vite, hein? Passing 100 meters. Réservoir haute capacité. Ah, ok. Ah. Ça marche pas. Et voilà. On se retrouve au point de départ. Bon, on se retrouve avec un gros requin qui est sur nous. On a découvert un abri, sauf que il n'y a rien de fonctionnel. Donc on va le scanner le plus rapidement possible. On a ça. On a ça. Bon, c'est pas le temps de se coincer. Il va falloir sortir. Je pense que... ça vient urgent. On va remonter. Bon. On a trouvé une construction sous-marine bien gardée par des... par des Brutchart. Excusez la prononciation en anglais. On va retourner où ce qu'on était. Prendre un peu d'oxygène. On a découvert un réservoir haute capacité. On va en profiter pour se soigner encore. Bon. Encore une petite bouffée d'oxygène. Et on va voir. On va retourner voir si on a tout bien scanné. Trouver d'autres artefacts. Ah, c'est passé. Hein. Encore. Oh, c'est surprenant, ces petites bêtes-là. Ok. Rien de spécial. Armoire. Scanner. Ça, c'est scanné aussi. On est coincé. On sort. Ah, de l'argent. Hop. Non. Ah. Tant pis. On va essayer de découvrir. De voir si on ne trouverait pas de l'argent. Mais non, ça marche pas. Bon ben. 4, 4. Ah. Allez hop. Vivement, ça va nous prendre un réservoir haute capacité. Bon, c'est quoi le plan pour la haute capacité? Voir ce qu'on a de besoin pour ça. Réservoir. D'oxygène, haute capacité. Bon. Du verre, du titane, réservoir d'oxygène tendre, minerai d'argent. Bon, ça prend du minerai d'argent. Hop. Encore un tremplin de port. Pas celle-là. On va remonter. Bon, minerai d'argent. Si je regarde mon stock,
J'ai du plomb, du titane, mais pas d'argent. Donc, je vais replonger aux alentours de 100 mètres pour retrouver des minerais d'argent. On se retrouve au fabricateur pour le réservoir. Haute capacité. Bon, me revoilà. On va pouvoir fabriquer notre réservoir à haute capacité. Ici. Voilà. Donc, on va continuer notre investigation sur le mystérieux signal de détresse. On est à la brunante. On va profiter pour ramasser un peu de matériel. On se retrouve aussitôt que j'aurai découvert quelque chose d'intéressant. Bon, j'ai découvert une entrée un peu spéciale. Ah, le signal de détresse apparaît encore. Ok, rien à scanner ici. Je vais m'éloigner. Je tiens pas à mourir comme tout à l'heure. Je pense que je vais recontinuer dans la direction où j'avais commencé ici. Par ici, encore. On dirait que ça s'allume. Heureusement qu'on a du ravitaillement en chemin. Ça ressemble beaucoup à une base aérienne. Ouais, dans ce jeu, on appelle ça des précurseurs. Scanner à main. Ah, c'est quoi ces bestioles-là? Il m'a pas l'air régressif. Données télémétriques, robot alien. Ok. Donc, on est dans une base des précurseurs. Est-ce que c'est d'ici que vient le signal? Beaucoup de ces petits robots-là, hein? On va suivre le chemin en essayant de les éviter parce qu'on ne sait pas, peut-être qu'ils pourraient s'avérer agressifs. On va ranger notre scanner, on va avancer un peu. Ah. Ok. La base alien nous parle. On verra ça dans le pilier tout à l'heure. On va faire une révision du dialogue. Par où on peut passer? Ah, par ici. Non. Très bien. Semble discuter. Sans parler d'un réceptacle pour avoir des données. Donc elle propose son pilier, probablement. On aura la confirmation tout à l'heure. Ça, c'est un pont. Est-ce qu'il y a quelque chose plus par là? On n'y voit pas grand-chose. On va regarder. Ok, non, ça nous ramène à l'entrée. Un petit peu. Au moins, on a de l'oxygène. Ah! Un peu d'énergie. On va les analyser. On s'approche un peu. Des cubes ioniques. Ramasser des cubes ioniques. Bon. Puisqu'ils nous invitent à ramasser, on va ramasser. Hop! Objet volant non identifié. Non, ça on l'a scanné tout à l'heure. Pour l'instant, il ne semble pas très agressif pour l'instant.
On va continuer à avancer, à investir, à enquêter. Ah! Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ah, on dirait que le sanctuaire est en train de... d'être en alerte. Il faut se descendre, qu'il faut se dépêcher. Bon, on me demande si on a un réceptacle pour avoir des... recueillir des données. On dit oui, on propose notre PDA. Ok. Donc, voilà. On va insérer notre PDA. Voir ce que ça va donner. Ok. Oh, commence un transfert. Oh, c'est quoi le brise? Brace. Transfert se fait. J'ai perdu la carte. Ah non, je suis pas mort. Ouf. Assez étourdissant. Bon, comment je vais? Il semble avoir un dialogue avec une voix. Bon, là-bas, tout est... l'alimentation a été coupée. Voilà. Il y a un dialogue entre une voix puis Robin. Où elle est cette voix? Bon, ben, je pense qu'on va retourner à notre capsule de survie. Puis on verra. On décortiquera tout ça avec, sur le pilier. Bon, j'ai trouvé le chemin de la sortie maintenant. Ok, par là. Donc c'est pas par là. On va passer par en dessous. Ah, probablement par ici. Ouais, par ici. Bon. Ok. On se retrouve à la capsule de survie. Pour voir, résumer, voir ce qui s'est passé. Bon, nous voici rendus dans notre capsule de survie. On va regarder le PDA, voir ce qui nous est arrivé. Donc, le journal, données téléchargées. Données extraterrestres. Bon. Données scannées, robots aliens, cubioniques, ça c'est fait. C'est beau. Journal personnel. Un étrange incident. Bon, j'ai répondu. Bon, Robin a répondu au signal de détresse. Puis elle a. Oh! Elle a expérimenté un événement neurologique. Elle a eu. Elle a perdu la carte. Ok. Bon, peut-être un problème avec. Bon, quoi que c'est avec son réservoir d'oxygène. Donc, ok. Elle entend une voix intérieure. Elle aime bien cette voix. Puis, on va voir ce qui pourrait être... on va voir dans la prochaine vidéo ce qu'on pourrait... ce qui pourrait advenir avec cet événement, la suite de ces événements. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à le manifester par un petit pouce bleu. Si vous avez des commentaires par rapport à cette vidéo ou par rapport aux prochaines vidéos que je vais produire, vous pouvez le faire dans l'espace approprié. D'ici là, je vous souhaite bon jeu et bye bye.